Coucou tout le monde, bienvenue dans Fais ton sport. Comment tu vas Elsa? Aujourd'hui je vais très bien parce qu'on fait un circuit training et j'adore ça. Ah mais c'est parfait, j'espère que vous êtes prêts pour ce circuit. Oui. Il va vous falloir juste un grand sourire, d'accord? De l'énergie, bon, votre bouteille d'eau comme d'habitude, une serviette parce qu'il y aura un petit peu de cardio pour essuyer le front. Et je pense que ça devrait aller. Mais c'est parfait, et de la motivation bien sûr. Ah oui, ça bien sûr. Donc restez là, restez avec nous, on se prépare pour le circuit training. Yes. Allez on y va, on se met en place. Avant de démarrer le circuit training, on va quand même faire 5 minutes d'échauffement. On va commencer avec le haut du corps. Parfait. La nuque? Oui. Ok. Donc on va repousser d'un côté, puis de l'autre côté. Vous y allez tout doucement, hein, pas de tension. Et vous soufflez au moment où vous repoussez délicatement votre tête sur le côté. Toujours pareil, gardez bien le dos droit. On inspire, on expire tout doucement. On y va progressivement. Ok, on relâche, on y va vers l'avant, donc on rentre le menton à l'intérieur et tête vers l'arrière. Allez, toujours pareil, tout doucement. Vous allez faire votre expiration quand vous repoussez la tête vers l'arrière. Inspirez quand vous êtes en bas et expirez. Donc on y va tout doucement, d'accord? C'est le démarrage, pas de gestes brusques et petit à petit on va monter la pression. Ok, on relâche les épaules. Ok, vous allez faire des petits mouvements. Vous tendez les bras, vous fléchissez et vous repoussez. Donc vous gardez les omoplates serrées sur ce mouvement. Et vous soufflez au moment où vous avez les bras en ouverture. Allez, on garde les coudes hauteur d'épaule. Hein. Allez, tout droit. Ça va Terry? Ça va. Donc, pour aujourd'hui, le circuit training, on va faire du 1-1-1-6. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? 1-1-1-6. Ok, on relâche. Allez, on enroule les épaules vers l'arrière. Allez, parfait, on garde le dos droit. On fait des grands enroulements. Ok, on relâche doucement, on va vers l'avant. Allez, épaules vers l'avant, toujours pareil, on monte bien les trapèzes en haut. Et on roule vers l'avant. Donc, je disais 1-1-1-6. Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Allez, voilà, encore bassin. Bassin, droite-gauche. 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 Donc, qu'est-ce que c'est le 1-1-1-6? Donc, squat. Ok. Ok. Squat serré, fente, et après on monte les genoux. D'accord. Donc, un squat. Un squat serré. Oui. Squat fente avant. D'accord. Et après, 6 montées de genoux. Ok, bon, ça va. Vous avez vu? Il suffit juste de compter 1, 1, 1, 1. Non, mais ne vous inquiétez pas, on le fait ensemble. Mais oui, on vous sera là. Avec les options faciles, difficiles, il n'y a pas de souci. Allez, on relâche. Allez, un peu les genoux, petite rotation. Donc, 3 minutes de travail. La récup, c'est nous qui la prenons. Hein, oui. D'accord. Très bien, vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc, comme d'habitude, on vous donnera différentes options. Hein. Donc, vous suivez, vous allez au rythme que vous voulez. N'oubliez pas, fais ton sport à la maison, c'est vraiment adapté à tout le monde et à tous les âges, tous les niveaux. Parce qu'on fait ton sport à ta maison. Hein. Fais comme si on était chez vous, là. Ok, on relâche un peu cheville. Donc, on va travailler le bas du corps, hein, d'accord? Sur les squats, fessiers, quadriceps, bien sûr, les abdos et le cardio. Ok, on change. Changer de pied. Bon, ben, j'espère que vous êtes prêts. Là, on a une petite séance sympathique qui nous attend. Ça va être bien, ça va être bien. Oui. Allez, relâchez. Allez, on espace les pieds plus large que les hanches. On va juste squatter légèrement. Des petites flexions, tranquille. J'aime bien ce mot. On va légèrement squatter. Oui, c'est léger. Regardez, c'est juste. On va squatter leur salon, surtout. Allez, c'est juste des petites flexions. On serre bien les abdos. On inspire et on pousse. Allez, là, on commence à chauffer un peu les quadriceps. Voilà, ce sont des demi-squats. Hein. On n'est pas en amplitude complète. On y va tranquillement, comme on vous a dit. Et petit à petit, de toute façon, on va augmenter le dynamisme. Ok, on relâche. On part sur le fente avant. Allez. Ah, fente avant et on revient.
Ah, très bien. Donc, on a fait les squats, on a fait les fentes. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on vous prépare pour les exercices. C'est ça. Ok, on relâche. Allez, hydratez-vous un peu. Voilà, replacez vos épaules. Donc, restez avec nous. Hein, on va se mettre en place. Donc, souvenez-vous, il y a un squat normal, un squat serré. On va venir alterner en fente. Donc, une seule à droite, une seule à gauche. Et on terminera avec 6 montées de genoux. Donc, 3 minutes de travail. Oui. On les enchaîne. La récup, si vous qui le prenez. Oui. D'accord. On s'adapte et on fait ça 4 séries. Ok. C'est pas mal de ça. C'est pas mal. Allez, on se met en place, motivé, et on est parti. On va pouvoir commencer nos exercices. Ouh, je tiens plus en place là. Vite, oui, vite. Je le vois, il a fond. Donc, 1, 1, 1, 6. Ok. Allez, on se met en place. Donc, le premier, c'est un squat normal, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, squat normal, pied plus large que les hanches. On pousse bien les fesses vers l'arrière et vers le bas. Et toujours pareil, hein, serrez bien les abdos. Et après, squat serré, fente et montée des genoux. Ok. Allez, vous êtes prêts? Allez, on se motive. C'est parti. Squat, on resserre. Fente avant. Droite. Et gauche. 6 montées de genoux. 1. 5. Et 6. Ça va. Et on les enchaîne. 3 minutes de travail. C'est parti. Allez, on serre bien les abdos, on monte les genoux cette fois-ci, il y en a 6. Bien, très très bien. Ok. Pas mal du tout, pas mal du tout. Pas mal, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Vous connaissez les exos maintenant. Ah ben c'est parti. Squat. Pousse les fesses vers l'avant, vers l'arrière et vers le bas. 6 montées de genoux. Allez la team. On les enchaîne, on serre bien les abdos. Voilà, très très bien. Yeah. Si vous avez besoin de récupérer, il n'y a aucun souci, on récupère. Sinon, Elsa et moi, on enchaîne. Parfait, on serre. C'est ça, fente avant. Allez, les épaules vers l'arrière, on garde le dos droit, d'accord? Montée de genoux. Allez, la team. Là, c'est encore facile. Hein, oui, là, ça va. Oui. C'est accessible. D'accord, non. Donc on continue. En squat. Un squat serré, n'oubliez pas, on enchaîne avec les fentes, on alterne droite et gauche, et nos 6 montées de genoux. Ouais, montez bien, hein. Là, parfait, serrez bien les abdos, encore. Pas mal. Allez, squat. On resserre. Fente. Allez, maintenant, vous connaissez par cœur les exercices. Et les genoux. Allez, faut travailler le cardio un peu. Ok. On enchaîne? On enchaîne. On enchaîne. Ouais, on veut des résultats. Donc on n'a rien sans rien. Allez, dos droit, les épaules vers l'arrière. Yeah. Ouh. Là, ça commence. Petit à petit, vous allez sentir chauffer les cuisses. Mais t'as vu, hein? Et un petit peu sur le cardio. Ok, bon. C'est parti, Elsa. Allez, la team, allez. C'est encore facile, là. C'est que la première série. Allez, on fait monter le cardio. Voilà. Yeah. Très, très bien. On a encore du temps. Oui, allez, on continue. Nos 3 minutes sont pas terminées. Là, très, très bien, la team. Encore. 2, 3, 4, 5, et 6. Yeah. Ouh. Bravo, bravo. On continue? Bien sûr. Allez, on n'a pas fini nos 3 minutes, voilà. On enchaîne. Yes. Ok, top. Pas mal. Premier pas circuit. Mal. Pas mal pour la première série. Donc, vous avez vu, ce travail du bas du corps, quadriceps, fessiers, abdos. Ouais. Et on rajoute le cardio sur les montées de genoux. Je sens le cardio là au bout d'un moment. C'est 6 montées de genoux, plus 6. Donc, vous avez vu hein, le mouvement est assez facile. Le squat, vous le connaissez, le squat serré aussi. Les fentes, on pousse vers l'avant et les montées de genoux, bah, comme on vous a dit, c'est pour augmenter la fréquence cardiaque. Exactement. Allez, hydratez-vous, on a encore du temps. Oui. Deuxième série, toujours le même principe. 1, 1, 1, 1, 6. Allez, on se remet en place. Deuxième série. Allez, deuxième série, donc la même.
Et maintenant que vous avez la technique, on va pouvoir se motiver tous ensemble. Exactement. 1, 1, 1, 6. On les enchaîne. Pas trop de temps de récup, hein, d'accord. On le connaît par cœur, les exos. Oui. Donc c'est parfait. On se met en place. Squat, squat serré, fente et montée de genoux. C'est ça. Allez, on y va? Oui. On se met en place. N'oubliez pas, les squats, c'est les pieds plus larges que les hanches. 1, 1, 1, 6. Allez, c'est parti. 3 minutes. Voilà, on resserre. Pente, les épaules bien vers l'arrière, on serre les omoplates. Allez, on monte. Allez, la team. Là. Allez, dernière. On enchaîne. C'est allez. Ça, on repart. Allez, on reste ensemble. Personne lâche. C'est bien, là. Très, très bien. Allez, on monte. 1, 2. Ouais. Allez, comme nous. Voilà. T'es prête? Je suis prête. T'es pas fatiguée? Non. Parfait, on y va. On n'est pas fatigué. Allez, on reste ensemble, on reste là. Allez, la petite dose de cardio. 1, 2, 3. Voilà, c'est bien ça. Pas fatigué? Toujours pas. Toujours pas. Vous êtes fatigué? Toujours non, pas. Toujours pas. Alors on enchaîne. Voilà, on resserre les pieds, on part sur les fentes. Travail des fessiers, travail des quadris, travail des abdos. Et on rajoute le cardio. Là, bang. On monte bien les genoux, d'accord? Hop, yeah. Expire, on expire. On repart. Si vous avez besoin de récupérer, aucun souci, d'accord? Prenez 5-10 secondes, récupérez et revenez avec nous. Voilà, très bien. Montez de genoux. Ce qui est bien avec cet exercice, c'est que ça vous laisse des libertés. C'est ça. D'accord, sur le temps de récup. C'est vraiment vous qui gérez ça. Nous, on est là pour vous accompagner. Et vous motiver. Voilà, c'est exactement ça. Vous êtes libre, d'accord? Le plus important, c'est de faire les exercices, de se donner à fond et bien sûr, de prendre du plaisir à faire les exos avec nous. Allez la team, c'est parti! Les fentes, montez de genoux. Ouh. Allez, on monte bien, on monte. Voilà, parfait. On serre les abdos. Ah. On commence à sentir là, là le je travail. Allez, 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 on reste, squat, on resserre, on part sur les fentes, à droite, on revient à gauche, montez deux genoux, allez, gardez le sourire, voilà, comme nous, tu souris, Elsa? Tout le temps, tout allez, le temps. Allez, viens, Elsa, on continue, yeah. Allez, c'est parti, squat, squat serré, voilà la team, les fentes, on connaît par cœur les exos, on n'a même plus besoin de vous le dire, tout c'est ça. C'est vrai, hein? Oui. Ça va tout seul, ouais. Et oui, votre corps a la mémoire, donc là, il veut qu'une chose, c'est réenchaîner, en exactement. Fait. Exactement. Mais alors, on enchaîne. Regarde, ils sont en train de faire pareil que nous, là. On a même plus ils besoin de parler. Ils sont beaux, oui. Derrière leur écran. Allez, viens, Elsa. On y va. Squat, serré, fente. Montez de genoux. Et top! Ouais. Bien! Bravo Terry! Très bien! Bravo la team! Deuxième série, on la valide! D'accord. Ah oui! Allez, hydratez-vous, récupérez! Ouh. C'était pas mal sur la dernière! Mm. Pas mal, pas mal! Allez, on récupère un peu! Donc sur la troisième série, on va changer d'exercice! On va plus travailler sur les adducteurs! Toujours le même principe, hein, Elsa! Donc toujours le même principe! 1, 1, 1, 6! D'accord! Il nous reste encore deux dernières séries, c'est parfait. D'accord? Allez, hydratez-vous, on récupère un peu et on part sur la troisième série. Allez, on est toujours sur le premier tour, mais cette fois, on passe à la troisième série. Intérieur de cuisse, les adducteurs. Mmh. Toujours le même principe. 1, 1, 1, 6. Ok. 3 minutes de travail, on les enchaîne, les exos. D'accord? Il n'y a pas de récup. Bien sûr, ça s'adapte, vous êtes fatigué, il n'y a pas de souci. Premier exercice, quad sumo, montée de genoux extérieur. Bien. Je montre. Lunge. Ok, mais on vous le montrera toujours, d'accord? Allez, on se met en position, squat sumo, c'est parti. Parfait. Là, on monte les genoux, slide sur le côté et on revient patineur. 6 fois. Voilà, vous sautez sur le côté, bien à l'extérieur, ok? Et on enchaîne encore une fois, comme tout à l'heure, squat sumo. Voilà. Allez, montez bien les genoux vers l'extérieur. Allez, jambes tendues, on y va, patineur.
2, 3. Bien Elsa. Alors, sur le côté. Voilà. Très, 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 très bien. Donc, vous avez vu, hein, sur le patineur, ça rajoute le cardio. Oui, c'est ça. On le sent de suite. Hein. En rajoutant, on y va encore ? On y va encore. Allez, c'est parti. Voilà, très bien. Squat. Là. Patineur. Allez, 6 fois l'équipe, 6 fois. Voilà, très bien. Dernière. Ok. Allez, relâchez un peu. Pas mal, vous avez pas vu, mal, hein. Pas mal. 1, 1, 1, 6. Si vous n'êtes pas fatigué, du retour. Ce sera. Allez, c'est parti, Elsa. Patineur. 1, 2. Voilà, très, très bien. Allez, une dernière. Et 6. Ouf, sur le patineur, n'oublie pas de bien fléchir sur les genoux, hein, d'accord ? C'est ça. Pour bien amortir. Hein. On y va. Squat large. Allez, on monte les genoux sur l'extérieur. Voilà, parfait. Allez, hop, patineur. Allez, comme nous. Voilà. N'hésitez pas sur le patineur à aller chercher loin sur les côtés. Exactement. D'accord. Chaleur, non ? Chaleur. Chaleur. Allez, on y retourne. Squat sumo. Yeah. Monte les genoux. Extérieur, toujours, hein ? Lunge, voilà, parfait, patineur. Allez, loin sur le côté. Yeah. Allez, parfait. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Oh, après, bien sûr, pour les débutants, vous n'avez pas besoin de sortir si loin, d'accord. C'est vraiment un petit chassé sur le côté, d'accord. Allez, la team, encore, on se motive, c'est parti, on connaît les exos. Allez, on dit plus rien. Voilà, hop, hop, patineur. Ah, très bien. Coucou la team. Allez. Vous n'êtes pas fatigué ? Non. Non ? Bah alors, on retourne. Squat sumo d'un pied très large, hein, d'accord ? On pousse les fesses vers l'arrière. Allez, on monte les genoux. Voilà, très bien. Allez, slide. Ah. Patineur. Dernière. On est bon, on est bon. On a encore du temps, c'est parti. Ça, les 3 minutes ne sont pas terminées. Non, non. Toujours bien serrer les abdos. Allez, on y est, on y est, on y est. Ok, top. Oui, on a réussi. On a réussi, c'était pas mal. On a terminé, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est cardio, hein. C'est pas mal du tout. Alors, pas que le cardio, d'accord. Nous avons le renfort et surtout, on a l'intérieur des cuisses. Exactement. Allez, hydratez-vous, récupérez. 4e série. Ah, je vais boire un peu. Vas-y. Si vous voulez étirer un petit peu l'intérieur des cuisses, vous ramenez votre genou légèrement vers l'extérieur d'un côté. Et pareil de l'autre côté, je ramène mon genou vers l'extérieur. Vous vous tenez quelque part si vous n'avez pas d'équilibre, si vous n'avez pas un terric. Je t'embête. Vous êtes motivé ? Ouais ? Dernière série. On se met en place. Je veux de la motivation. Allez, on y va ! 4e série. T'es prête, Elsa ? Je suis prête. Va boire un peu d'abord. Va boire, t'en auras besoin. Il m'a vu ramollir. Oui, j'ai vu ça. Ok. Bon, l'équipe. La dernière série du premier circuit. Toujours pareil, hein, les 4 exercices. Le 1, 1, 1, 6. Donc, cette fois-ci, je veux que vous montez le volume, le son. On se motive, on lâche pas. Ah oui. Et personne récupère. Ok, on les enchaîne. Vous vous rappelez ? Squat sumo. C'est parti. 3 minutes. Allez, on monte. Voilà, très bien. Côté. Très bien. Patineur. Yeah. Bien, Elsa. Ah, allez, dernière. Ok. Et on enchaîne. Vous croyez qu'on allait s'arrêter ? Ah non. Ah non. Montez les genoux extérieurs. Côté. Patineur. Bien, Elsa. N'oublie pas de bien fléchir sur les genoux sur l'amorti. Ok. Yeah. Voilà, sumo. On écarte bien. Montez de genoux. Côté, jambes bien tendues, d'accord. Patineur sur le côté. Mais bien sûr, vous n'avez pas besoin de sauter si loin, d'accord. Que un petit chassé. Sinon, prenez de l'espace, hein. Allez, montez des genoux. Voilà, très bien la team. Côté, bien Elsa. Patineur. Je pense qu'eux aussi sont comme nous, doivent avoir chaud dans leur salon. Il fait chaud, hein. Ouvrez les fenêtres si vous voulez. Hein. Allez, c'est parti. Allez, montez les genoux, extérieur surtout, hein, d'accord. Côté, jambes tendues, serrez bien les abdos, patineur pour rajouter le cardio. Voilà. Pas mal. On enchaîne. Ouh. Si vous avez besoin de boire, n'hésitez pas, d'accord. N'hésitez pas.
C'est parti Elsa. Mais sinon, restez avec nous, on se suit, ok? Patineur, allez la team. C'est bien, sautez bien sur le côté. Allez, on tient bon. Je sais que c'est cardio. Au pire, vous prenez un petit peu plus de temps de récup, mais on lâche rien. Yeah! Bien. Allez, petit jump. Ça peut être patin glace ou patin roulette, hein? C'est vrai. Hein? Allez, on y va. Voilà, très bien. Côté patineur. Allez, la team, c'est notre dernière. C'est les dernières séries, c'est la dernière série. Eh, c'est dans le mental. C'est dans le mental. Je compte sur vous. Hein. Allez, on est ensemble. C'est parti, Elsa. Allez, l'équipe. Allez, patineur. Vous êtes prêts? Ouais, très bien. On s'arrête pas. On revient. On reste là. Les 3 minutes sont pas terminées. Allez, on y va. Go! Et on allez, lève. Yeah. Allez, la team. Là, là, on est bien, là. Et les impulsions. Voilà, je veux vous voir suer, avoir chaud, sentir sur les adducteurs, les quadrilles, tout qui travaille. Allez la team, c'est ça qui est bon. Allez, pensez à nos objectifs, ok? Allez, encore. Encore. Tu commences à être fatigué? Un petit peu, je lâche pas. Non, lâche pas, personne ne lâche. Allez, on y va. Allez, encore. Voilà, côté. Patineur. Ok, top, on relâche. Bien. Bravo. Bravo Elsa. Je pense qu'on en fait un peu plus que tout à l'heure. Hein. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Allez, hydratez-vous. Ouh, c'est voilà, super. Récupérez un peu. Comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer un petit peu les adducteurs si vous sentez que ça tire un peu à l'intérieur des cuisses. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est si vous le sentez. Oh, c'était super ce circuit. Mais il n'est pas fini. Hein. C'est pas fini. On a un deuxième tour. Oui. On change d'exercice. D'accord. Sur l'eau du corps, on va travailler beaucoup sur les abdos. Parfait. D'accord. Toujours le même principe. 1, 1, 1, 6. Vous êtes prêts? Mais cette fois-ci, prenez un tapis. On en aura besoin. Comment on passe au sol? Ok. Ok. On récupère un peu et on y va. C'est parti pour le deuxième tour. Et en plus, on va enchaîner avec le haut du corps. Je suis trop pressée. T'aimes bien le haut du corps aussi? Oui, moi j'aime bien. Bah ouais, c'est parfait. Donc toujours le même principe. 1, 1, 1, 6. Pompe. Superman. Superwoman. Superwoman. Gainage dynamique. Et les grimpeurs. Pour les abdos. Ouais, là j'ai bien compris. Ok, 3 minutes de travail. Hein, d'accord. Allez, on se place au sol. Main plus large que les épaules. On y va pour une pompe. C'est parti. Ok, on s'allonge sur le ventre. Ok, sur les mains, sur les avant-bras. On avance, on recule. Et grimpeur. Ok, on relâche. Donc, vous avez vu, 1, 1, 1, 6. Et on enchaîne. Vous pouvez prendre l'option facile avec moi. Je fais tout sur les genoux. Allez, on décolle les épaules. On revient sur les avant-bras. On avance, on recule. Et 6 grimpeurs. Allez, genoux vers l'avant. On garde le dos droit. Ok. Donc, vous avez vu, sur l'eau du corps, on peut récupérer un peu parce que oui, ça brûle partout. Les pecs, les épaules, les triceps. Mais nous, on enchaîne. Voyons. On y retourne. Une pompe. Superman, on s'allonge sur le ventre. On décolle le buste. Allez, gainage sur les avant-bras. On avance, on recule. Grimpeur sur les mains. Il y en a 6, hein. Voilà, très bien. Voilà, pour travailler le bas des abdos, c'est parfait celui-là. C'est hein, même bien les bras. Hein. Ça chauffe, hein? Oui. Mais on continue. Bah, on continue. On continue. N'oubliez pas, on a les options faciles. Hein, d'accord, sur les genoux. Je vous montrerai ça. Allez, sinon sur la pointe des pieds avec moi. Voilà, parfait. Superman. Planche sur les avant-bras. On avance. On recule. Grimpeur. Allez, on monte les genoux vers l'avant. Voilà, parfait. Ok. Oh. Vous avez vu, hein, travail des pectoraux, le dos, les épaules, les abdos. C'est cool, moi. Ah, t'as vu. On continue. Allez, c'est parti. Mains plus larges que les épaules. Flexion, on repousse bras tendus. Allez, on connaît les exos maintenant. On avance, on recule. Allez, grimpeur. Il y en a 6.
Ok. Je sens que c'est même plus dur que sur le bas du corps, tu vois. J'ai l'impression. En tout cas, j'ai encore plus chaud que tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas, sur la récup, c'est vous qui la prenez, d'accord? Oui. Vous avez 3 minutes, on fait le maximum de tours. Allez, sur les pompes, main plus large que les épaules, flexion, on repousse bras tendus. Superman. Planche. Avancez, reculez. Grimpeur. Allez, encore 2. Ok. Allez. Après, bien sûr, pour les confirmer, vous pouvez enchaîner. Hein. Oui. On enchaîne. On enchaîne. Eh oui, on est confirmé. J'ai cru comprendre qu'on était les confirmés. Exactement. Alors, on enchaîne. Bon. Yes. Superman, l'équipe. Bien. Allez, gainage, dynamique et grimpeur. Il y en a 6. Voilà, très bien. Ouh. Et top. Ouh. Pas mal ce combo, j'ai beaucoup aimé. Donc vous avez la partie cardio avec les grimpeurs, d'accord? On vient brûler les graisses et en plus de ça, on cible. On s'attaque à la sangle abdominale, donc c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut. Donc restez ici parce qu'on va refaire la même. Vous voulez avoir des abdos? C'est d'en faire ton sport à la maison. Ah là oui. Alors, vous partez pas. Allez, hydratez-vous, on récupère un peu. On part sur une autre série, d'accord? Oui. Toujours pareil, c'est le même principe. 1, 1, 1, 6. Et toujours haut du corps, abdos, les épaules, le dos. Voilà, vous êtes bien solide. Ils s'emballent. Voilà. Allez, on se met en place et on y va. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on refait exactement la même. Donc on travaille les épaules, on travaille le cardio, les abdos, tout. Les grands pectoraux, le dos, les lombaires et le mental. Oui. Donc deuxième série, 1, 1, 1, 6. Allez, on se met en place. T'es prête Elsa? Je suis prête. Donc sur les pompes, soit sur les genoux, d'accord? Soit sur la pointe des pieds comme moi. Allez, on y va, on a 3 minutes. C'est parti, pompe. Superman. Gainage, on avance, on recule et grimpeur. Il y en a 6. Voilà, on monte bien les genoux vers l'avant. Ok. On repart Elsa? On repart, maintenant on connaît les exercices. On connaît. Hein, on connaît. Allez, c'est parti. Pompe. Superman. Décoller le buste du sol. Gainage sur les avant-bras. On avance, on recule. D'où un gainage dynamique. Et 6 grimpeurs. Allez, 2 dernières. Et relâchez. Si vous avez besoin de récupérer, 5-10 secondes. Et on repart. Au pire des cas, je vous montre l'option sur les genoux. D'accord, suivez-moi. Allez, c'est parti. Enfléchis les coudes, bras tendus. Superman. Avancez, reculez et le grimpeur. Et il y en a 6. Et on relâche. Waouh. Pas mal, hein? Ah ouais. Là, je suis en nage. Ouais, moi aussi. Ouh. C'est quoi que tu dis? Je fais de la natation? Je fais de la natation. Allez, on continue. Pompe. Superman. Allez, gainage. Et grimpeur. C'est parfait, la team. C'est parfait. Et il y en a encore 2. Voilà. Yeah. Très bien. Ouh. Simple, efficace. 1, 1, 1, 6. On repart. Allez, on y va. Ah, je suis chaud. C'est parti, Elsa. Voilà. Très, très bien. Gainage. Grimpeur. Allez, grimpons tous ensemble. Ok, relâchez. Donc bien sûr, le plus important, c'est de garder le dos droit, d'accord? Vraiment, contractez bien les abdos. On a le dos droit. Dans tous les on engage les lombaires. T'as vu, ça travaille même sur le lombaire, sur le Superman. C'est ce qu'on veut, d'accord? Oui. Si ça chauffe, c'est normal. Allez, on continue. Oui, sur le Superman, si ça chauffe, les lombaires, c'est normal, c'est que vous travaillez. Allez, Superman. Gainage. Avance, recule, grimpeur, l'équipe. Il y en a 6, hein. Bien. Oui. Allez, super. Je sais que ça chauffe, mais on continue, d'accord? C'est maintenant qu'on obtient les résultats, c'est justement quand c'est dur. Exactement. Le mental, l'équipe, le mental. Allez, c'est parti. Pompe. Allez. Gainage. On avance, on recule, et le grimpeur. Il y en a 6, l'équipe. C'est rapide. Voilà, parfait. Ça chauffe sur les épaules. Allez, on a encore un peu de temps, on y va. Pompe.
Ouh, Superman. Décollez bien le buste. Bien nage. En avance. Grimpeur. Et top. Waouh. Bravo. Ça va, Téric? Ah, j'ai besoin de boire, là. Ça chauffe? Ah, complètement. Là, tu vois, j'ai les épaules en feu. Allez, hydrate-toi. Nous, on va en profiter pour s'étirer un petit peu les épaules. On ramène le pouce vers le sol. On relâche délicatement l'épaule, d'accord? Pas de tension, au contraire. Un peu de l'autre côté. Ouh. Allez, allez, on roule bien les épaules, surtout. Restez debout, marchez si vous avez besoin. On fait redescendre un peu. On termine sur les deux derniers exercices. Exactement. Deux dernières séries, pardon. Donc spécial abdos. Ouh. On reste au sol. Allez, on se met en place. Troisième série. Allez, la team, on se met en place. Troisième série du deuxième circuit. J'ai le temps d'aller boire un peu d'eau. Mais bien sûr. Allez, hydratez-vous, on récupère un peu. Donc, toujours le même principe. 1, 1, 1, 6, mais cette fois-ci sur les abdos. Donc, on passe au sol. Crunch. Main derrière la tête, coude écarté. Crunch. Bras tendu vers l'avant. OK. OK. Rameur et ciseaux et c'est parfait. Allez, on se met en place. Allez, on se met sur le dos. Et on y va. C'est parti, on monte. Bras tendu. Rameur en pouce et ciseaux. Et 6. Donc vous avez vu les mouvements? Allez, c'est parti, on recommence. Rameur, poussez et ciseaux. 5 et 6. Très très bien, Elsa. Tu as vu? Et surtout, la respiration, très important. Allez, on continue. Main derrière la tête, coude vers l'extérieur. Allez, Elsa, on monte. Bras tendus. Rameur, on pousse. Et ciseaux. 3, 4, 5 et 6. Donc sur le ciseau, sur la fin, soit vous avez les jambes tendues, ou soit genou fléchi légèrement. D'accord ? Comme j'ai montré. Exactement. Option facile avec Elsa. Allez, main derrière la tête, coude vers l'extérieur, on monte. Bras tendus. Rameur. Ciseaux. 4, 5 et 6. Si vous n'êtes pas fatigué, on continue. Exactement. Allez, on y va, Elsa. Voilà, très bien. On pousse. Ciseaux. Et 6. Wow, Elsa. On ça sent. Commence à chauffer. Là, le bas des abdos. Allez, c'est parti. En même temps, c'est ce qu'on recherche. Hein. Exactement. Et 6. Donc, si vous avez un peu mal à la nuque, récupérez. Vous posez votre tête au sol. Vous récupérez quelques secondes et on repart. D'accord? C'est ça. Allez, main derrière la tête. On y va, Elsa. On y monte. Va. Bras tendus. Poussez. Et ciseaux. Oui. Oh là là, là ça chauffe. Vous avez vu nos objectifs, hein? Nos objectifs. Bas du ventre. Voilà, ventre plat. Allez la team, c'est on n'est pas fatigué. Rameur, poussez, ciseaux. Oui. Wouh. Ça chauffe, Elsa? Ça chauffe. Alors tant mieux. Allez la team, on continue. C'est parti, main derrière la tête. Rameur, poussez, hop, ciseaux. 5 et 6. Bien. On a ce qu'on a encore du temps, Elsa. Mais oui. On a encore du temps. Mais oui, mais oui. On y va. Coude vers l'extérieur, ça monte. Voilà, poussez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien. Donc, vous avez vu, travail des grands droits sur les crunchs, travail des transverses en bas. Ventre plat. Alors là, oui, garanti. Hein. C'est garanti, ce sont nos objectifs. Allez, main derrière la tête, coude à l'extérieur, on décolle les épaules, c'est parti. Bras tendus. Rameur. Ciseaux. Donc sur les ciseaux, si vous avez un petit peu mal au dos, vous gardez les jambes en hauteur, hein, c'est que vous êtes cambré. C'est ça, exactement. On y va? On y va. Poussez et top. Ah. Allez, super combinaison, Elsa. Super combinaison. Mine de rien, c'est cardio. Hein. Même si on reste allongé, le fait d'avoir les ciseaux à la fin, boum, ça dynamise. Hein. Allez, hydratez-vous un peu. Donc là, ce qu'on essaye d'obtenir, bah, c'est le ventre plat, d'accord? Avec un peu de cardio pour sécher le dessus. Et en plus de ça, bah, renforcer, d'accord, le grand droit et le transverse. Très bien. Super combo. 1, 1, 1, 6. Allez, dernière série. Quatrième. Oui. C'est là où on donne tout. Hein. La dernière, c'est là ah, oui. où on est les plus forts.
On lâche pas. Le mental, on se met ensemble. Quatrième série. Et on y va. Quatrième série. La dernière, Elsa. La dernière. C'est notre dernière, d'accord ? Toujours pareil, sur les abdos 1, 1, 1, 6. Spécial ventre plat. Ah oui, là oui. Hein. Tu en penses quoi ? Il nous faut ça. Oui, non, toujours pareil, hein, d'accord ? Les mêmes exercices. On passe au sol. Crunch, crunch, on a des rameurs, on a des ciseaux. Mais le plus important, contractez bien les abdos et faites des mouvements lents. C'est d'accord ? Vrai. Ok ? On se met en place. Allez, on a 3 minutes, l'équipe. C'est parti, on monte. Bras tendus, rameur et ciseaux. 5, 6. Allez, on enchaîne. Allez, vous connaissez les exos. C'est par cœur maintenant. Hein. Ah, ok, récupérez un peu. Inspirez, soufflez. Allez, main derrière la tête, la team. Allez, on monte. Main tendue. Voilà, rameur. Ciseaux. Oui. Alors, cette combinaison, on aime. J'adore. Mais c'est pour ça qu'on va continuer, Elsa. Bah oui, hein. Allez, on y va. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Ah non. Je veux un ventre plat, Elsa. 6. Voilà, très bien. On enchaîne ? On enchaîne. Allez, c'est parti. Main derrière la tête, coude vers l'extérieur. Donc n'oubliez pas, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller au même rythme que nous. Nous sommes des professionnels, des experts, comme dit Eric. Les experts de Fais ton sport. Poussez et ciseaux. Ouh. Donc n'oubliez pas, 1, 1, 1, 6. Encore Elsa ? Encore. On a du temps. Allez, lentement, décolle le buste. Rameur et ciseaux, jambes tendues. On commence à sentir les cuisses hein, à la fin sur le ciseau. Exactement, parce qu'on est obligé de lever et contracter les cuisses en même c'est temps. Ça. Allez, main derrière la tête, enlève. Bras tendu. Rameur. 4, 5 et 6. Alors surtout pas d'apnée, hein, parce que sinon ça va être affreux. Soufflez bien au moment des élévations. Ouh, chaleur, il y a la chaleur. Allez, on y va, on monte. On décolle le buste. Bras tendu. Poussez et ciseaux. Et... Allez, super combinaison, Elsa. J'adore. Oh, allez, si tu adores, ben alors on continue. On continue. Allez, c'est parti. Go. Avec les bras, poussez. Avec le rameur et les ciseaux. Oui, relâchez. Allez, inspirez, expirez lentement. Récupérez 2-3 secondes et on repart. Allez, main derrière la tête. Et on monte. Bras tendu. Allez, poussez. Et ciseaux. Ouh, on pause. Ça va, Eric ? Ça va, Elsa ? Ça va, la team ? Ça va, la team ? Eh oui, on y va. Ventre plat, la team. Allez, bras tendu. Poussez. Ciseaux. Oh, ils connaissent par cœur les exercices. Ah oui, là, c'est bon. Ils sont rodés. Ah, ils sont rodés. Ouf, allez, on y va. Bras tendu, poussez et relâchez. Wouh, 3 minutes. Wouh, parfait. Joué, Elsa. Bonne session. Tu vas même relever. Ouais. Wouh. T'as de la chance, j'avais encore de la force. Très bonne session. Ventre plat. On valide tout ça. On valide. Allez, hydratez-vous, récupérez. On a besoin d'étirement. On va faire intervenir Shannon, là, je pense. Hein. Ah, on aura bien besoin. Exactement. Les abdos, le bas du corps, le haut du corps. C'est ça. Oh, super training, super circuit training. Waouh. Oui, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Ah ouais, on est vraiment fiers de vous. Allez, on passe aux étirements. C'est ça. Allez, on se met en place. Allez, le circuit training est terminé. Ça va nous faire du bien de s'étirer avec Shannon. Tu vas bien aujourd'hui ? Ça va, Eswa ? Ça va très bien. Dis donc ! On a fait une bonne séance. Je là. Vois ça. Une tarte de m'étirer. Ouais, première partie, les jambes, c'était pas mal du tout. J'avoue, j'avoue. Tu sais quoi ? Je vais être le poteau d'Elsa. À la maison, si vous manquez un peu d'équilibre, vous trouvez une chaise, une table, un mari, quelque chose qui... un enfant. Quelque chose qui... Voilà, vous connaissez hein, cet étirement. On prend sa pointe de pied, genou côte-côte, et on fait comme si on voulait amener le genou dans le sol. Et là, on vient étirer la partie avant de la cuisse, les quadriceps. Ouh.
Ça fait du bien. Parce que ces jambes-là, aujourd'hui, dis donc, on a étiré l'avant de la cuisse, on va étirer l'arrière. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre jambes tendues. Là, à un moment, vous allez sentir clairement l'étirement. Et en même temps, puisque tu sais que je suis fan des doubles étirements, comme ça, ça permet d'en faire deux fois plus, on va attraper ses mains dans le dos. Soit ici droit, soit en les retournant, selon la mobilité qu'on a. Donc là, on relâche, on garde les jambes tendues. Ça permet d'étirer et les épaules, et les bras, et l'arrière de cuisse. Voilà, tout d'un coup. Alors là, c'est du 10 en 1. Profitez-en. Efficace, training efficace. Étirement efficace. C'est ça. Et en même temps qu'on fait ça, on va tripler l'étirement. Voilà, aujourd'hui j'ai la folie des grandeurs. On va faire des noms avec la tête, comme ça on relâche complètement la nuque. Ok. Ah, c'est pas mal. Ok, relâche tout doucement cette position. Pose les mains au sol. Et on va marcher. Pour finir presque allongé sur son tapis. Ouh. Vous êtes allongé sur le dos, là on s'allonge sur le ventre. Ah oui, ça fait bien. Vous allez enfoncer le bassin dans le sol pour étirer les abdominaux. Si jamais les bras tendus comme ça, c'est trop difficile, il n'y a pas de souci. On plie les bras. On y va doucement sur cet étirement, on respire bien, bien, bien. Bien profondément. J'ai adoré les petits combos là. Non, c'est sympa. 1, 1, 6. Ah, t'es vrai qu'ils nous inventent des trucs comme ça, c'est sympathique, ça change. Ok. Repousse les fesses en arrière. Et là, avec les mains, on va aller essayer de gagner quelques centimètres pour étirer la colonne vertébrale. Si vous avez peu de mobilité, vous allez sentir aussi le dessous du bras, là. Toi, t'as de la mobilité. Normalement, tu devrais pas le sentir. Ah, je sens le dos, un petit peu les épaules. Ok. Bon, en même temps, ils ont travaillé. Ok, reviens en avant. Donc là, on va plier une jambe, soit derrière, soit devant, comme vous voulez. Moi, je préfère derrière. Et l'autre tendue. Donc là, vraiment à la sensation. On se tient bien, bien droit et on descend sur sa jambe dos droit. C'est surtout pas la nuque qui s'enroule, au contraire, c'est le buste qui descend. Donc là, vous allez sentir encore la partie arrière. Si jamais vous voulez aussi étirer bien les adducteurs, si là vous les sentez pas, vous écartez un peu plus votre jambe. Et au fur et à mesure que vous allez l'éloigner, vous allez sentir aussi l'adducteur. Donc on est encore sur un double étirement. Il y a aussi si on voilà. Pousse la pointe de pied. Oui, t'as raison. On pousse la pointe de pied, ça fait l'adducteur, exactement. Merci beaucoup Elsa. Plaisir, c'est cadeau, c'est cadeau. T'es pas de quoi tu tentes. Ok, on remonte, on se met sur l'arrière. Donc là, on revient étirer un tout petit peu le quadriceps. Ça a l'air d'être pas mal. Ah là, je le sens bien. Ah ouais. Bravo à la maison si vous avez réussi à faire toute la séance comme Elsa et Eric. Parce que très franchement, change de côté, c'était une belle séance bien complète. On va vers l'avant. Et sur cet étirement, on va penser nutrition. Le sport, c'est important. Hop là, descend en arrière. L'hydratation, c'est important. La nutrition, c'est important. Donc là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une question de Johanna qui nous dit « Je perds mes cheveux et j'ai une carence en fer. Est-ce lié et quelle solution avez-vous ?» Alors, effectivement, ça peut être étroitement lié comme je le vois beaucoup en consultation, mais pas que. Alors, pour remonter votre fer, je vous invite à manger des sources naturelles alimentaires. Vous allez les trouver du point de vue animal dans les abats. Donc, par exemple, ça peut être un morceau de boudin noir le matin au petit déjeuner pour bien assimiler et absorber le fer dès le matin. Ça peut être également de la viande rouge ou bien en source végétale, optez pour la spiruline, le maca.
Si cela ne suffit pas ou si c'était difficile à intégrer, je vous invite à vous tourner vers un complément alimentaire de fer bisglycinate parce que c'est la forme la mieux assimilée par l'organisme. Si néanmoins, avec une prise de sang de contrôle, le fer ne remontait pas comme il devrait l'être, je vous invite à consulter un professionnel pour refaire votre santé intestinale et favoriser son absorption. C'était la Minute Nutrition, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Merci Sonia pour tes conseils et surtout merci à vous pour cet entraînement. Exactement, vous êtes toujours là à nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir. Aujourd'hui c'était assez cardio, malgré que ce soit un cours de renforcement musculaire, mais c'était vraiment top. C'est pour tout le monde, débutant, confirmé, vraiment. Et en plus il y a des options, c'est super. C'est super, c'est agréable, on prend du plaisir. On va devoir se laisser pour aujourd'hui, hein, mais vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt. Et en attendant, fais ton sport.